Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Mode Homme, je voulais vous parler des bagues. C'est un élément à part et très particulier dans le style masculin. Il est de plus en plus commun d'en voir et d'en porter. Au cours de notre vie, grâce au mariage, on peut être amené à posséder une alliance. Donc ici, nous parlerons bien des autres genres de bagues. Certains aiment en porter de façon massive avec des têtes d'animaux par exemple, et d'autres préfèrent quelque chose de plus discret. À ce propos, je dirais que ça dépend vraiment de vous, de votre look et de ce que vous avez envie de faire ressortir auprès des autres. Ça dépend également de la largeur de vos doigts, parce que certaines personnes ne pourront pas porter certains styles de bagues. Ici, je vais vous montrer principalement des modèles en argent. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord parce que l'argent est un excellent compromis entre la qualité et le prix. La qualité car l'argent ne s'oxyde pas et reste brillant tout au long du temps. Également parce que le prix n'est pas cher par rapport à l'or notamment. Si vous avez les moyens pour investir dans l'or, évitez le plaqué or parce qu'il s'use très rapidement. Préférez donc soit l'argent, soit l'or. En général pour les bijoux, privilégiez la qualité et la durabilité plutôt que des achats inutiles qui vont s'user très rapidement. Passons à présent à la présentation. Style numéro 1, bague en argent très fine. Elle s'adapte à tout style vestimentaire. Elle peut être portée au quotidien comme au travail. Elle reste sobre mais efficace. C'est-à-dire que c'est une bague qui ressort dans une tenue parce que l'argent a la particularité de bien refléter, mais elle reste discrète parce qu'elle n'est pas imposante. Son prix, 20€. Style numéro 2, bague lion en argent. Cette bague a plus de caractère, vous pouvez la porter donc dans un style plus affirmé parce qu'elle est voyante et qu'elle se remarque facilement. Mais elle reste difficile à porter dans des milieux professionnels qui ne sont pas adaptés. Pour cette bague, comptez 25€. Style numéro 3, bague chiffre romain en acier. Elle s'adapte à tous les styles, celle-ci passe partout, elle est discrète mais néanmoins l'acier ressort bien. Donc ça peut être un atout si jamais vous voulez porter un bijou comme celui-ci, tout en étant vraiment dans quelque chose de discret. Elle est un bon compromis avec une certaine originalité, tout en étant discrète. Quel que soit votre look, elle peut correspondre. Pour le prix, 20€ à 25€. Style numéro 4, bague dragon en argent. Ici la bague est moins brillante parce que l'argent est plus sombre, il n'est pas poli pour être bien visible. Donc ici on est sur un style vraiment détendu, de préférence à porter en dehors du travail car elle reste encombrante, mais peut apporter un vrai plus à votre look si vous savez la mettre en avant. Pour le prix, comptez 25€. Pour faire un bilan, en tant qu'homme, vous pouvez vous mettre à la mode des bagues si l'envie vous en prend. Misez sur des produits de qualité qui dureront dans le temps. Prenez également bien les mesures de vos doigts pour ne pas faire d'erreur de taille. L'argent est un des matériaux les plus fiables et pas cher. Si vous souhaitez passer à la qualité supérieure, l'or est bien entendu l'idéal. Les bagues se portent sur les doigts que vous souhaitez. Il n'y a pas d'impératif à respecter. C'était un tour du propriétaire sur les bagues en espérant que ça vous ait plu. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.